Nous vous présentons dans cette vidéo les options du lycée Pierre Duterail de Pontcharra. Bonjour, suivez-moi. Nous nous trouvons ici en zone granier où se trouvent les salles G. Nous sommes dans l'espace Isère, où se trouve le SELF, de ce côté le bâtiment Isère, et au-dessus l'internat. Nous sommes ici en zone chartreuse. À ma droite se trouve la vie scolaire. Et là-bas, au fond du couloir à gauche, l'infirmerie. Nous avons aussi ici le bureau du CPE. Nous sommes ici en Belledonne, dans le secteur de l'administration. Nous avons le CPE, le CDI, ainsi qu'à l'étage Belledonne, les salles B, et au fond du couloir, la salle des professeurs. Ici, nous allons retrouver le bâtiment annexe, où à l'intérieur, il s'y trouve les laboratoires. Puis à ma droite, se trouve un tableau qui indique chaque jour dans quelle salle le cours a lieu. Bonjour, je suis enseignante en langue des signes. Je m'appelle Marion Kobylanski. Comment se passe un cours de langue des signes? Venez voir. Bonjour. Qu'apporte la langue des signes? Le cours se passe dans une bonne ambiance. La langue des signes nous apporte une ouverture sur l'handicap. Nous sommes un petit groupe soudé. Nous avons un esprit collectif, ce qui nous permet d'être plus à l'aise. Que faisons-nous en langue des signes? Nous faisons des présentations orales sans parler. Nous nous filmons pour les exercices et les contrôles. Nous travaillons en interaction par deux, en petits groupes ou en grands groupes. Avec la langue des signes, nous travaillons le visuel. Les cours durent 1 heure et demie par semaine. Bonjour, nous allons vous présenter l'option latin. Le latin tire ses origines de Rome et de Grèce antique. Le latin a formé 80% de la langue française. Cette option offre une meilleure compréhension et une meilleure orthographe des langues latines. Le latin a créé le français, l'italien et l'espagnol. L'option se travaille à l'oral et avec des travaux de groupe. Cette option est un bonus et aide pour le baccalauréat. L'option latin, c'est 3 heures par semaine, de la seconde à la terminale. Bonjour à tous! Qu'est-ce que c'est? L'option euro-italien est constituée de cours de langue et de cours de SVT. Qu'apporte cette option? Un niveau d'italien et une culture renforcée. Combien de temps? Pour tous les niveaux, nous avons un cours d'italien de 1 heure et un cours de SVT de 1 heure chaque semaine. Quels sont les avantages? Cette option nous apporte une aisance orale ainsi que la possibilité de faire des voyages scolaires en Italie. Bonjour, ici on vous présente l'option espagnol LV3 qui vous permet de parler 3 langues. C'est un petit groupe d'environ 15 élèves. En ce qui concerne le volume horaire,
on aura 1h30 de cours par semaine en seconde et 2h30 de cours par semaine en première et en terminale. En cours, nous faisons beaucoup d'oral, on étudie la civilisation ainsi que la grammaire et la conjugaison. Vous allez voir, on a plutôt de bonnes notes. Enfin, le plus important, vous aurez l'opportunité de faire un voyage en Espagne, dans la ville de Carthagène. Cela est possible grâce au jumelage qui existe entre la ville et notre lycée. Voilà, si vous êtes intéressé par cette option, n'oubliez pas de cocher la case sur le dossier d'inscription. Si cette option vous plaît, rejoignez-nous. Bonjour, je vais vous présenter l'option santé et sociale du lycée. Elle est adressée aux élèves de seconde. L'option santé et sociale ouvre des portes pour travailler dans le monde médico-social. Suite à cette option, on peut faire un bac ST2S ou alors un bac BPH où l'on s'intéresse à la biologie et aux maladies humaines. Voici trois thèmes parmi les sept qui sont proposés. Le premier présente l'hôpital entre l'image que l'on a et sa réalité. Le deuxième concerne le handicap et l'inclusion au quotidien. Et le troisième porte sur l'action humanitaire. L'option est composée de cours et d'interventions des personnes du monde médico-social. Cette option se déroule durant 1h30 chaque semaine. Bonjour, nous nous trouvons ici au Stade Il Fribo à Pontcharra, où l'option athlétisme dure 2 heures, 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le jeudi. C'est un groupe soudé, honnête. Lorsqu'un sportif est en difficulté, les autres l'aident à le faire progresser. En section athlétisme, les compétitions sont pour tous les niveaux. De plus, on s'entraîne sur toutes les pratiques du sport, saut de haie, sprint ou lancer de poids. Bonjour à tous, suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Que va-t-on vous présenter ? L'option art plastique. Où se déroule l'option ? Dans la salle d'art. Combien d'heures par semaine ? Elle a lieu 3 heures par semaine. Quels sont les avantages ? Le travail est exclusivement en classe. Rien ne se fait à la maison. L'option d'art plastique apporte un moment détente. Les productions des élèves sont sans contraintes et libres. L'option apporte une ouverture d'esprit ainsi qu'une ouverture au monde. Cette option est peu scolaire avec des cours pratiques et manuels. Bonjour ! Nous allons vous présenter l'option théâtre. Elle présente plusieurs avantages. Elle permet d'avoir de l'aisance à l'oral et de ne pas avoir peur de se présenter. En classe de seconde et de première, l'option théâtre a lieu 2h30 par semaine et en terminale, c'est 3h par semaine. En plus, le groupe a la chance d'aller voir des pièces de théâtre à Grenoble, Chambéry et Pontcharra. Pendant les cours, au début, on fait de la théorie et ensuite des exercices pratiques. On travaille la cohésion et on réalise une pièce de théâtre par an. Cette année, en terminale, on étudie le Misanthrope de Molière. Si cette option t'intéresse, alors rejoins-nous.